C'est une vraie caverne d'Ali Baba, le rêve de tous les enfants. Des boîtes de jeux qui s'entassent jusqu'au plafond. Bienvenue chez Carijou. Alors, un plateau de jeu, c'est ça. 4 pions personnages. 1, 2, 3, 4. 48 bases, recto verso, ça doit être ça. 8. Ouais. Non Alors, je les ai pas comptés, mais... Ici, les jouets usagés se refont une beauté. Ils sont nettoyés, triés, réparés et les boîtes de jeux sont minutieusement inspectées et complétées avant de tout remettre à la vente. Un bel exemple d'économie circulaire rendu possible par les dons des particuliers, comme celui de Marie. Je viens de ramener quelques jouets dont mes enfants ne veulent plus et donc les enfants sont très sensibles au fait que c'est bientôt Noël et que d'autres enfants pourraient avoir besoin de jouer. Donc généralement on fait le tri, j'ai effectivement des jouets puis je viens les ramener ici exactement donc, pour que d'autres enfants puissent en profiter. Les jeux et jouets sont donc remis à la vente dans cette boutique du quartier Gare à Strasbourg. Un lieu ouvert à tous et des jouets à des prix modestes pour permettre à chacun d'en bénéficier. Children get bored of toys very quickly, so you have to keep buying new toys. And what better than, you know, good used toys? So I wanted to get my daughter some things that she can use and not necessarily, you know, that are friendly to environment. And she's just starting to learn French. I'm going to attending a crèche, so I got her basic books about shapes and colors and matching soft toys to the books. Mais Carijou, ce n'est pas que ce volet économie circulaire, c'est aussi une entreprise d'insertion. La fédération de charité Caritas Alsace emploie en effet ici des personnes en insertion, des jeunes ou des moins jeunes, tous très éloignés de l'emploi, à qui Carijou permet de se remettre doucement dans le bain de la vie professionnelle. Ici, ils réapprennent un métier, ils reprennent confiance en eux, ils ont accès à des formations en français, en langue, tout ce qui peut les aider à acquérir un emploi, et ils ont également un suivi social. En fait, il faut voir ça comme un tremplin. À un moment donné, donc ils travaillent, ils vont acquérir de nouveau des gestes professionnels, ils vont se former, ça va leur permettre de trouver un emploi durable par la suite. Carijou, c'est une quinzaine de personnes par an en contrat d'insertion. Et pour plus de 60% d'entre eux, ils décrochent un contrat ou une formation qualifiante à la sortie. Recout, lui, a encore un peu de chemin à parcourir, mais il est très motivé. Je ne sais pas pourquoi, mais j'adore mon travail. J'ai pas parlé bien français encore, je peux pas chercher bon travail avec mon langue, je parle mal toujours. Je veux apprendre cours de français d'abord, après je cherche travail. En plus, je cherche travail vendeur. Former ses salariés à la langue française, mais pas que. Carijou ambitionne aussi de développer des ateliers avec les enfants ou de la vente par internet. Pour ses salariés, ce sont autant de nouveaux métiers à apprendre pour un nouveau départ dans la vie.